Mark, are you there? Wait for me here. I'll go. Dans le Grand Frisson, l'émission qui habla un poco de espagnol. Sabes que sos un negro resentido? Forro! Car aujourd'hui, nous nous intéressons à trois films conçus par de jeunes cinéastes hispanophones prometteurs. Nous évoquerons la dernière œuvre du sévillan Paco Cabezas avec Tokarev, puis nous nous entretiendrons avec le cantabre Nacho Vigalondo pour Open Windows, avant de rencontrer l'argentin Damien Cifron, réalisateur des Nouveaux Sauvages. Et pour conclure, nous ferons un petit tour à Taïwan, cherchez pas à comprendre. Alors ouvrez grand les yeux qu'on titille Vena Optique et asticote vos neurones. Depuis maintenant trois bonnes décennies, le cinéma hispanophone alimente l'industrie cinématographique internationale, de préférence affiliée au genre. Et apparemment, ça n'est pas prêt de s'arrêter. On en veut pour preuve le trio de films qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a tout d'abord Tokarev qui sort directement en Blu-ray et DVD. Sous ses atours de DTV Cheap, le dernier Nicolas Cage est une œuvre de passion, puisque c'est l'acteur lui-même qui a débauché Paco Cabezas, jeune cinéaste qui s'était fait remarquer pour Les Disparus, ou encore le polar inédit en France, Carnet des Néons. Malheureusement, le résultat final est indigne de ses belles intentions. Son master stinks. Tokarev est en effet un film de vengeance éculé, tourné au rabais et qui manque cruellement d'idées comme d'ambition. Pire encore, alors que l'un des plaisirs coupables de ce type de film consiste à voir son héros se salir les mains dans une vendetta cruelle et sanglante, Cage est absent de la plupart des scènes de castagne ou de torture et se montre à bout de souffle et peu impliqué les rares fois où il passe à l'action. Bref, difficile de retrouver la personnalité de Paco Cabezas dans ce produit aussi formaté qu'insipide. What is this? Cord, are you there? Turn off the volume of the window or she'll hear us. Après deux films espagnols, Nacho Vigalondo s'expatrie également avec le techno-thriller Open Windows, qui sort directement en DVD et Blu-ray. Et chez le cinéaste, cette percée sur le marché anglophone est une pure nécessité scénaristique. I'm a very Spanish filmmaker in the sense that I feel comfortable, really, really comfortable writing and directing my own language. But if the story makes sense in English, I have to confront that. A really interesting part of this movie is that it's talking about the celebrity culture. And every time you have an actress who is totally popular and she's really hot, and it's like we all have a crush on her, and at the same time, we hate her. She can be Megan Fox, for example. I love you! Thank you! You met her. So all these actresses are coming from United States and or UK. They talk in English all the time. So when we wanted to approach that feeling and that universe, for me, was natural to make a movie that happens in the United States. Travaillant comme à son habitude dans des contraintes narratives drastiques, Nacho Vigalondo a tenté de raconter intégralement Open Windows via l'écran d'ordinateur du personnage principal. I love constraints. I love to think of stories confined in some ways, in time of or space. For me, it's not a limitation. It's an essential part of the intensity of a movie. Shit, Nick. We've already had this conversation. Even an idiot like you can figure out that if I wanted to hurt her, I already would have. Cet exercice de style ne l'a pas empêché de se montrer très ambitieux. Because we wanted this movie to be an experience, to be something crazy, something really intense. Because the movie starts as a Hitchcockian thriller and ends as a science fiction movie somehow. So in other cases, I tend to picture narrative journeys. In this case, I wanted to make a visual journey. Parce que tous les éléments narratifs se devaient d'être intradiégétiques, l'écriture d'Open Windows a posé des défis très spécifiques. In other cases, when you write the screenplay, you should forget about the camera. But in this case, the story is linked
to the fact that we are watching things. So in this case, the story and the camera were so connected. It's not like any other movie. And I'm pretty sure I will never make a movie like this anyway. You like that stuff, but it's kind of a tease, isn't it? Listen, I have an idea, okay? Come on. It's the most difficult screenplay I ever wrote. You can say I was writing and directing and editing the movie at the same time. Si l'exercice peut sembler un peu vain à la longue, il a néanmoins eu l'avantage de pousser le réalisateur à créer un langage visuel spécifique à Open Windows. On pense notamment à l'utilisation du fond d'écran du héros, un immense portrait de la demoiselle en détresse du récit, interprété par Sacha Gray. Selon les situations, celle qui est au cœur de tous les enjeux du film occupe une bonne partie de l'image ou disparaît sous la nuée d'informations qui inonde le héros. When we were making this movie, we were really concerned about the space every window was covering. And we wanted to make something expressive. Nothing is happening just by coincidence. Everything in this movie is designed somehow. How long have you been doing this to me? It's up to you, Nick. Autre trouvaille d'Open Windows, un travail parfois passionnant sur les différentes sources d'informations dont dispose le héros, comme ces étranges caméras ping-pong. We did a research about new technologies being able to turn a camera signal into a 3D model. But if you see those the results in those sense, the result is like a 3D plastiline model. The sirens. Is that you? Yeah, that's me. And we decided to be faithful to the movie in a poetic way. We wanted to create a model in which you still see the sense, you still get the sense of windows, like this, the cubism sense all the time. So it's a movie that happens in a fragmented reality. Everything is fragmented. And even when you see things together, they are still fragmented. Bouclé pour à peine plus de 2 millions de dollars, les prises de vue d'Open Windows furent d'ailleurs atypiques. But basically, we were like doing an animated movie, like a Pixar movie, which everything is previously designed in this 3D stuff. So I know how the virtual camera is going to move on the screen, so I'm able to know where to cut on set. It's a nightmare. It's a nightmare. I'm trying to explain the whole thing and I'm getting tired. It's like my brain is about to explode all the time. Come on, Nick. Grab your laptop and get out of there. On appréciera enfin l'utilisation de l'image publique des acteurs principaux, à commencer par le rapport du spectateur vis-à-vis de Sacha Gray, que vous avez pu voir notamment dans... Enfin voilà quoi. She and me, we talk a lot about making a movie aware of herself without exploiting her. For me, the most interesting sequence is when she's somehow blackmailed at the middle of the story and she's forced to do things on a screen. Oh yeah, very nice. That's what I'm talking about. You can see something interesting about exposition and exploitation. This movie has this meta element. This movie's constantly talking about its own form. It's talking about the way it's done somehow. The movie's also talking about the celebrity culture, the internet culture. It will make sense in the end. It always does. Pas toujours convaincant, mais souvent intéressant, Open Windows confirme que Nacho Vigalondo est un cinéaste à suivre. Certains, la coproduction entre différents pays hispanophones coule de source. C'est l'avis de Damien Cifron, réalisateur des Nouveaux Sauvages, une série de sketchs réjouissants dont l'humour noir et la hargne rappellent les meilleures heures de la comédie satirique italienne. Cinema is international. I mean, it's like food or it's like sex, it's art. The good stories travel and they can be understood everywhere. So it's a natural thing to co-produce. En l'occurrence, Les Nouveaux Sauvages, qui sort dans quelques jours en salle, a été produit par LDCO, société madrilène des frères Almodovar. And they produce what they like. It's not that they need to produce. They produce a film, the first film, or one of the first of Guillermo del Toro, one of the first of Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia. Of course, yes. Why not? Même si vous connaissez tous Del Toro et de la Iglesia, il est peu probable que le nom de Damien Cifron vous soit familier.
Alors pour bien commencer les présentations, sachez que ce cinéaste a extrêmement bon goût. But the first Superman film, the Richard Donner one, I saw that when I was 3 years old, and that started my memory. That's actually my first memory. Ensuite, il faut préciser que Les Nouveaux Sauvages n'est pas le coup d'essai du réalisateur. I made 4 things before Wild Tales, all Les Nouveaux Sauvages. I made two feature films, The Bottom of the Sea, that was my first movie. It's a dark comedy. And then I made another film, which is called On Probation. That's a buddy movie, I would say, a buddy cop movie. And then I made two TV series. The first one, it's called Los Simuladores, The Pretenders, and it was a huge hit in Argentina. And then I made another one that's called Hermanos y Detectives, Brothers and Detectives. Écrit alors que Cifron développait parallèlement une trilogie de SF et un western, les sketchs des Nouveaux Sauvages ont connu une gestation atypique. I felt really free as a writer working on this. I did it in the meantime while I was writing other stuff. I did it as a game, as a, I was playing with this. I didn't feel the need to finish it or to shoot it soon or anything. So I would say that this film came up without pain, without suffering, without effort. Pedazo de conchudo que sos, eh? When I didn't know what was going to happen next, I would close my eyes and just wait for it to appear. The game here was not to interfere with what the characters were doing, just to observe them. Cette liberté d'écriture se ressent dans un film qui montre des personnages aller jusqu'au bout de leur barbarie pour mieux se libérer des carcans sociaux. Once you improved your technique, or I think once you grow as a writer, you understand that you are not the character. So you're not afraid to be judged. I am not doing these things. I'm just writing about them. They are doing it. Mira, yo estoy un poco nervioso, así que te pido que por favor me escuches. Là où Les Nouveaux Sauvages fait mouche, c'est aussi dans cette ambivalence entre une écriture qui refuse l'autocensure et une mise en scène extrêmement contrôlée. I would say that as a writer, it was a wild experience to create this and to imagine it. But as a director, in order to keep that wilderness, that savagery, I was very more like obsessive, and I mean I worked a lot in recreating that freedom. You know, for example, I slept in some of the locations. And I walked all the scenarios as the character, and that changed the way I shoot films. I shoot this one. L'une des grandes qualités des Nouveaux Sauvages, c'est aussi l'incroyable cohérence du film, malgré des histoires très variées qui vont du thriller à la satire sociale, en passant par la comédie horrifique. It was like creating a rock album, a concept album or a jazz album. I mean, you have to record these different songs, and they all belong to the same universe. They are built with the same instruments, in a way, different films, and also we were very careful to turn them into a single experience, into a single ride. You know, at the beginning with the cinematographer, we spoke about perhaps shooting one episode in black and white, for example, the Rich Family episode, and then the Road Rage episode, to shoot it with anamorphic lenses and 35 millimeters, and then to have the wedding story with video cameras like the ones they use to shoot a wedding. But then we decided that was going to interrupt the experience, and I didn't want a movie that felt like shot by different directors. Filmame esto, Néstor. En conclusion, Les Nouveaux Sauvages est une réussite rare, car aussi libre que maîtrisée. Agustín Almodóvar defined the movie very well. He said, this is an emotional roller coaster. Qué violencia, a ver. Yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia? Et sans transition aucune, enchaînons avec un film curieux autant qu'étrange, nous venant du bout du monde. Bien qu'en France il sorte en catimini sur le marché de la vidéo, Warriors of the Rainbow est un événement dans son pays d'origine. Cette épopée est effectivement le plus gros budget de Taïwan, avec un tournage qui s'est étalé sur plus de 150 jours. Une
folie, portée à bout de bras par son réalisateur Wei Techeng, qui s'est dévoué corps et âme pendant plus de 10 ans à la conception de ce film, qu'il a dû financer et tourner parallèlement, tout en affrontant les grèves d'une équipe sous-payée ou la destruction de ses décors par le typhon Morakot. Initialement, le film se décompose en deux parties pour un total de plus de 4h30. Réduit en un seul film de 2h30 à l'international, Warriors of the Rainbow est une œuvre en l'état bancal et ponctuée d'ellipses incompréhensibles. J'ai la jambe ! Pourtant, même si les soucis de production sont évidents et même si la mise en scène n'est pas inspirée pour un sou, Warriors of the Rainbow ne manque pas d'intérêt. On appréciera en particulier la sauvagerie de héros présentés comme des barbares sanguinaires et illuminés. Le film comporte ainsi probablement le plus grand nombre de décapitations jamais vues dans une seule œuvre. Et puis il y a l'interprétation de Nolay Piho, l'acteur principal qui fait ici ses débuts au cinéma. Cet ancien prêtre presbytérien incarne le chef de guerre Mona Rudao, un vrai beau personnage sacrifié par ce montage incohérent. On notera d'ailleurs que Nolay Piho fut victime d'une crise cardiaque au cours de ce tournage, décidément épique. Vous l'aurez compris, même si la qualité de Warriors of the Rainbow est discutable, en revanche, les coulisses du film sont fascinantes. Cette œuvre aurait donc mérité un vrai travail éditorial qui aurait pu motiver à lui seul l'achat de la galette. Et ce n'est pas franchement le cas ici. S'il ne propose que le montage international conspué par le réalisateur, le DVD français fournit également une trentaine de minutes d'archives présentées dans le plus grand chaos. Yoshimura Taiji. Vous trouverez en effet dans la section Making of une featurette de 7 minutes, dans la section Coulisses du tournage une vidéo de 2 minutes sur les maquillages, et dans la section Effets visuels une grosse vingtaine de minutes d'images brutes de tournage. Allez comprendre. On peut néanmoins déceler au travers de ces quelques suppléments le caractère chaotique du tournage, alors que le réalisateur se montrait obsédé par sa vision. Wei Techeng a d'ailleurs déclaré avoir été au bord du gouffre à moult reprises et n'a d'ailleurs pas signé de film depuis la sortie de Warriors of the Rainbow. Bueno, el grande frisson terminó por hoy. Hey, I'm not finished. Sit down. Pour conclure, on vous recommande très chaudement Les Nouveaux Sauvages, film à sketch acerbe, juste et très cohérent. Et l'on vous recommande plus tièdement Open Windows, exercice de style parfois vain, parfois passionnant.